Salut à tous, c'est Darkmania. Je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale, spéciale découverte, on va dire ça comme ça. Non, spéciale, ce qu'on peut dire, unboxing. Ouais, allez, on va dire ça, spéciale unboxing, plus info. Alors, je vais essayer de faire vite. Déjà, je m'excuse par avance par rapport à la webcam qui, à chaque fois que je fais un unboxing, me coupe et me reprend. Vous avez, j'ai pas vu ce petit truc. À chaque fois que je parle, ça coupe et puis ça reprend l'autre côté. On dirait que je parle en double. C'est pas un petit effet de ma part, hein, c'est la webcam. De toute façon, je pense que d'ici mois de janvier, je vais essayer de voir combien coûte une petite caméra pour qu'on puisse un caméscope pour que je puisse vous faire des unboxing un peu plus clair, un peu mieux et que ma voix ne soit pas en décalage. Écoutez, bah, je pense que vu les images que vous voyez à l'écran, vous devez comprendre quelle chose je vais vous parler, évidemment, de la petite Wawan, hein, qui arrive demain, si tout va bien. Ah, on va dire, comme dit beaucoup de personnes, Inch'Allah, c'est ça qu'on dit? Voilà, Inch'Allah, que ça arrive demain. Voilà. Ensuite, je voulais vous remercier Amazon. Bravo. Déjà, j'applaudis Amazon. Et merci beaucoup, hein, merci beaucoup, beaucoup. Pour les jeux qui devaient arriver demain, donc le 21, le 22, pardon. Et on est le 21 et j'ai reçu mes petits jeux Wawan en exclusivité. Lol. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est. On va repasser le même truc, désolé. Donc je vais vous présenter donc les deux jeux qui seront à partir de samedi un épisode par jour. Donc déjà on va commencer par deux jeux. Le troisième jeu qui arrivera, je ne sais pas si je vous ferai un let's play dessus ou pas, je sais pas encore, on verra. En tout cas, soyez sûr qu'à partir de samedi, les let's play de ces deux jeux arriveront. Voilà. Ensuite, si vous voulez découvrir le jeu avant l'arrivée du premier épisode samedi, rendez-vous demain à 20h, soit 20h, soit au plus tard 21h, pour la découverte de ces jeux. Pour la découverte de ces jeux. Alors oui, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que c'est ces jeux? Alors bah déjà, c'est des exclusivités à la One, c'est pas des comme des Call of ou des Battlefield, hein. Ça c'est même pas exclu à la One ni à la PS4 d'ailleurs. Mais ce que je vais vous montrer comme jeu, c'est des exclusivités Xbox One. Ce sont des éditions spéciales Day One. Alors, qu'est-ce qu'est... Il y a une différence. Il y a une différence entre les versions Day One et les versions normales, déjà le prix. Les versions Day One sont plus chères que les versions origine, on va dire ça comme ça. Mais il y a des contenus supplémentaires sur la version Day One que je pense que vous n'aurez pas accès en dehors de cette version. À ce que j'ai bien compris, ils sont vraiment des versions inédites à la version origine, ça veut dire que même quand les contenus additionnels arriveront sur le marché, et il y en aura parce que bon voilà, on en parle déjà, hein, il y en a plein beaucoup, il y en aura beaucoup beaucoup sur la One déjà, c'est un mauvais point. Voilà. Donc bah écoutez, on va présenter le premier jeu. Voilà. Donc le premier jeu. Alors, comment? On va baisser ça comme ça, hop. Vous voyez le jeu. Alors, premier jeu. Voilà. Je pense que vous voyez. Hein. Dead Rising 3. Voilà, Dead Rising 3 en version Day One. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'est la version Day One avant. Avant, non, avant, vous présentez le jeu. Okay.
Je suis un peu con. Donc voilà, donc c'est dans une petite, un petit boîtier qui ressemble énormément au boîtier Blu-ray, hein, qu'on a l'habitude de voir dans les magasins Blu-ray, et au boîtier un petit peu PS3. Donc apparemment c'est des boîtiers Blu-ray, donc c'est bien un Blu-ray qui est à l'intérieur. Pour info, si vous voulez jouer au jeu, il faut vraiment installer le jeu. Alors ça, moi je trouve ça un peu dégueulasse parce que si je veux garder mes 500 gigas sur la One, bah je peux pas. Donc je serais obligé d'installer le jeu. Bon, c'est dommage, moi j'aime pas trop installer les jeux sur les consoles par rapport à tout simplement au fait que bah ça bousille les gigas de votre disque dur. Tout simplement. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, donc le jeu de Day One, donc ça se présente comme ça, hein, Day One. Je dis Day One, moi je dis n'importe quoi. Xbox One, donc ça se présente comme ça, avec un gris noir comme ça, et vous retrouvez aussi derrière bah, le gris noir avec un petit truc en tout petit, donc la possibilité de jouer donc tout seul en ligne, etc., etc. Tout ce qu'il y a à retenir du jeu, les capacités du jeu. Donc là, on peut jouer à un joueur, mais pas en ligne, pas en ligne. On peut jouer en coop, en ligne, à un ou à deux. Mais c'est bizarre, mais normalement il le marque là, je sais pas. C'est assez bizarre. Donc et là, on a la possibilité donc avec Smart Glass, c'est fait. Et on a le Kinex. Vous voyez pas, mais je lis, moi je vois très bien où j'en suis là. Reconnaissance vocale Kinex n'est pas est facultatif. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous nous vendez ce qui nous ils nous vendent une caméra qui n'est pas facultative avec les jeux. Alors, what the fuck, c'est tout ce que j'ai à dire. What the fuck, sans plus. Après, évidemment, la caméra, il y a plein de choses à faire avec la caméra, évidemment. Donc, si on réfléchit bien, elle est nécessaire pour la One, en tout cas, pour utiliser la console, elle est nécessaire. Pour jouer, pas forcément, mais pour voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. Ensuite, on a une version, on a le code qui vous permet d'avoir un pacte, comment il s'appelle le pacte? Pacte hommage, où apparemment on pourra jouer, soit on pourra jouer, ou soit on aura des costumes, je sais pas si c'est des costumes ou la possibilité de jouer, avec Frank West et Hitchcock. Voilà. Donc je sais pas si c'est la possibilité de jouer avec eux, ou tout simplement des costumes. Je pense que c'est des costumes, hein. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, bah écoutez, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça avec le CD. Le CD qui est super fin, hein, bon, je vous montre pas, mais il est très fin, très fragile. Donc on voit bien que c'est différent par rapport au CD de la 360. Voilà. Ensuite, on a une espèce de truc gris comme ça. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est le code téléchargement. Voilà, donc je vous montre pas derrière parce qu'il y a le code. Alors, ce qui est bien, la capacité de ce qui est bien dans ce avec la One, c'est que maintenant on sera encore plus feignasse. Alors, c'est-à-dire pour entrer un code sur votre Xbox, votre Xbox actuelle, il faut aller via sur échange un code et tout. Avec votre manette. Là, avec la One, ce sera autrement. Soit vous le faites traditionnellement, que vous aurez tendance à le faire avec via les menus, on s'est expliqué derrière et tout. Ou sinon, vous aurez la possibilité de scanner, carrément scanner avec la caméra votre code. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de dire, voilà, faudra dire à la console Xbox utilise un code. La console va obéir, apparemment, va vous afficher l'interface, et ensuite vous pouvez utiliser directement le scanner, comme on fait avec le portable à l'heure actuelle pour regarder certaines vidéos sur des magazines.
Vous pourrez scanner directement, apparemment avec la caméra Kinex, vous pourrez scanner directement comme ça le code et ça rentrera directement le code sur votre console. Alors ça, je dis bluffant. Je suis bluffé là, je suis bluffé de ça. Je suis vraiment bluffé de ça. Voilà. Donc ça, c'est le code, le fameux pacte. Voilà. Ensuite, on vous propose, bah, comme vous voyez, une période d'essai de 3 jours. Il faut arrêter avec leur période d'essai de 3 jours. Ils pourraient quand même nous mettre un mois d'essai, ça sera mieux. Parce que 3 jours, qu'est-ce que c'est 3 jours? Que dalle, hein. 3 jours, c'est rien. De toute façon, moi j'ai mon abonnement. Donc voilà. Voilà, là on vous dit exceptionnellement 2 fois plus de zombies avec un mode coopération en ligne pour 2 joueurs. Puis après c'est écrit en anglais, ouais, la même chose. Voilà. Tester la version en ligne pour 3 jours. En fait, c'est pour tester la version en live avec votre ami pendant 3 jours. Je vois pas l'intérêt de nous donner 3 jours. Bon, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien. Ils ont quand même pensé à nous donner 3 jours. Bon, c'est mieux que rien. Hein. Mais bon, ils auraient pu quand même faire l'effort de nous donner un mois au prix que ça coûte quand même. Voilà. Et ensuite, bah, on a voilà. Et mais vous allez me dire. Mais il manque quelque chose là, Darkmania, là. Et ça va pas là, la notice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de notice. Donc là, c'est un mauvais point. On aurait bien aimé une petite notice là, quand même. Même si c'est une petite notice comme ça. Oh, bah ouais, moi j'aurais bien aimé une petite notice, quoi. Voilà, ben on n'a pas de notice. What the fuck. Même on se demande même pourquoi ils nous mettent le CD, puisque de toute façon le jeu on en sera obligé de le mettre dans la console pour y jouer. Donc on se demande même pourquoi ils nous donnent un CD. Ils auraient pu même peut-être à la rigueur mieux faire, carrément nous donner un papier comme ça, voilà, télécharger le jeu. LOL! Je pense que dans le futur on aura un papier comme ça, vous voyez, avec un code pour télécharger le jeu en haut, et puis en bas un code pour les contenus additionnels. Vous voyez? Hein, je pense qu'on va en arriver là. Et ça, on paiera ça 70 boules. Ça sera scandaleux, ça par contre. Voilà. Donc je vais voir, hein, je vais voir, mais si on est obligé d'installer le jeu, je trouve ça un peu scandaleux parce que moi j'aime pas spécialement installer mon jeu sur la console parce que j'aime pas utiliser mes gigas, j'aime pas utiliser mes gigas, j'aime bien utiliser mes gigas pour mes sauvegardes et pas pour les jeux. Voilà. Donc voilà, ça se passe comme ça, en plus avec un petit disque quand même. Représentatif, je sais pas si vous voyez bien, hein. Je vois pas la caméra. Ah ouais, c'est bon, vous voyez bien. Donc voilà, petit disque. Donc voilà, bah c'est pas mal. Par contre, le CD est très plat, très très plat, très fragile. Voilà. Alors vraiment, j'ai vraiment l'impression, comme je vous dis, on va mettre le disque et après on n'aura plus qu'à laisser le disque. Bah, dans deux côtés, ça sera vraiment un truc en plus. Ouais, et en plus, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, faut enlever la couverture, pour prendre contact des informations importantes concernant le jeu et la sécurité. Donc ça veut dire qu'en fait, faut enlever carrément le truc pour avoir les informations qui sont derrière, parce que oui, évidemment, ils ont mis des informations, attention, le jeu vidéo par rapport à la santé, Pélexypte, blablabla, l'adresse, les numéros de téléphone de Microsoft, je pense. Ou je pense pas, je sais pas en tout cas, etc. etc. En tout cas, on a que ça. Ils auraient pu quand même nous mettre une notice, et c'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'est le premier jeu. Le premier jeu qui sera en let's play sur la chaîne à partir de samedi. Mais avant le let's play, on découvrira le jeu. Vendredi,
Soir 20h-21h, voilà. Mmh. J'en peux un peu plus parce que j'en peux vraiment plus parce que ça fait la cinquième fois que je recommence aujourd'hui la vidéo et je suis un peu fatigué, il est 7h, 5h du soir quand même. Voilà. Ensuite, le deuxième jeu exclusif à la One, donc ça c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Curiosité. Vraiment très curieux. Bah, je vais vous montrer, hein, tout simplement. Voilà. Tadam! Alright. Bon, vous aurez, à mon avis, vous serez douté que ça serait celui-là, hein. Ça, c'est clair, hein. Il fallait pas être devin pour savoir que ça allait être ces deux jeux-là que j'allais faire sur la One, hein. Celui qui a deviné. Bravo pour toi. Dommage, si j'aurais lancé un concours, t'aurais gagné quelque chose, mais je l'ai pas lancé le concours. J'ai n'importe quoi. Ça y est, ça part en live cette vidéo, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc deuxième jeu sur la chaîne, un épisode par jour aussi, Rice. Voilà, moi je suis très curieux. Donc apparemment, c'est à peu près la même chose, avec les mêmes couleurs, etc., etc. La même description. Voilà. Sauf que là, comme je vous ai dit, bizarrement, c'est là que j'ai pas compris. Là, ils mettent un joueur Xbox One, Xbox Live 0, ils mettent pas de joueur, et là, ils mettent coopération 1 à 2 joueurs. Alors, ça, j'ai pas trop compris le truc. 1 à 2 joueurs, mais 2, 1, 1 joueur, on peut pas être en coopération avec un joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je vous expliquais? Si on est tout seul, on peut pas être en coopération. Ou à moins qu'ils veulent dire qu'on peut être en coopération avec un joueur plus deux. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Voilà. Ou peut-être c'est moi qui est con et qui n'a rien compris, comme d'habitude. Lol. Ensuite, on a... Bah là c'est bizarre parce que là, on a roue 1 en ligne. Ça veut dire donc... Donc ça veut dire qu'on a un mode qu'on pourra jouer tout seul et un mode où on pourra jouer en coopération. Ah, là je pense que j'ai mieux compris. Ensuite on aura gâchette impulsion. Donc apparemment la gâchette impulsion sera on aura la possibilité apparemment il y a une gâchette impulsion avec la manette. On a bah, évidemment Smart Glass. Hein, Smart Glass. Smart Glass répare, Clang Glass rempart. Un truc comme ça. Blague pourrie, je sais, mais il fallait que je la fasse, celle-là. Et ensuite, bah, on dit que révolution vocale du Kinect n'est pas facultative. Donc, c'est-à-dire, n'est pas obligatoire. Donc, pour un jeu qui était à la base vendu avec Kinect, pour Kinect, et ben maintenant, ça ne l'est plus. Et c'est dommage. Mais on utilisera quand même la capacité de la caméra pour donner des ordres à nos amis. Ensuite là, bah on a pareil hein, dans la boîte. On va montrer la boîte, mais c'est la même chose. Hein, je veux dire exactement la même chose. Ils sont pas fatigués hein, chez Microsoft. On a la même chose, donc le jeu, évidemment, le jeu qui est un Blu-ray, puis ça se voit. Attention que je l'aurai pas non plus, ça me ferait un peu bête. Voilà. Donc ça se voit que c'est un Blu-ray. Donc plus fragile que évidemment un DVD. Hein. Ensuite on a la même chose, voilà, un contenu supplémentaire, qui est la même couleur, la même chose, le même système. Et on a encore 3 jours de machin, et cette fois c'est marqué quoi? Oula, j'ai perdu le truc. Et cette fois c'est marqué. Gladiateur, couvrez-vous de gloire en multi dans le Colisée. Voilà. Voilà. Je peux vous montrer le code hein, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème, moi j'ai un abonnement, donc même si à la rigueur je vous ferai peut-être gagner les 6 jours gratuits au live si vous avez une One, parce que je pense que ça passera pas sur la 360. Ça. Je pense que c'est que des codes pour la One. Voilà, et donc en fait c'est la même chose, et on a encore un petit carton. Donc toujours pas de notice. What the fuck? Où est la notice?
Où est la notice? Il n'y en a pas. Donc, je sais pas comment on va faire pour savoir jouer. Bon, vous allez me dire oui, mais apparemment Henri, c'est que du QTE. Oui, d'accord, c'est que du QTE, mais pas forcément. Il y a quand même des passages de gameplay, donc quand même savoir comment ça joue. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, apparemment, par rapport à Dead Rising, c'est plus la même chose qu'on. C'est plus les. Je crois que c'est plus trop les mêmes touches qu'on avait dans le 2, je crois, si je me rappelle bien, ou je sais plus trop, je crois que j'ai dit des bêtises là. Je sais plus trop. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, pour les contenus de cette version, bah c'est pas les mêmes, hein. On va pas jouer avec Chuck Chuck et machin, parce que Chuck et machin, bah j'ai oublié son nom. Hein. Franck et Chuck, c'est Dead Rising, hein, c'est pas Rise. Non, là on a la possibilité d'avoir des contenus, donc une carte multijoueur exclusivité et une épée spéciale. Alors c'est bien gentil, mais on aurait bien peut-être aimé un peu plus. Bon, bref, c'est déjà ça. Voilà. Donc ça sera ces deux jeux-là qui seront à partir de samedi en Let's Play sur la chaîne pour les découvrir. Je vous invite vendredi soir à 20h ou 21h au plus tard pour les découvrir. La machine n'est pas là, donc je ne peux pas vous la présenter. Elle arrivera demain, si tout va bien, hein, comme dit certains, Inch'Allah. Hein. Voilà, et puis je tiens quand même à remercier Amazon pour cette rapidité énorme. Alors là, énorme. Merci beaucoup. Quand vous voulez, vous pouvez, et ça c'est bien. Ça c'est bien, je vous félicite Amazon, bravo, félicitations, je vous aime bien, je vous adore d'ailleurs, depuis que, voilà, par contre la machine elle vient pas de chez eux, elle vient de chez les concurrents, bon bref, c'est pas grave, parce que j'ai pris un pack spécial qui n'est pas accessible, qui n'est plus déjà accessible, parce que c'était un pack illimité. Vous allez voir quel pack j'ai pris et voilà. Donc le troisième jeu va venir. On n'a pas encore le troisième jeu. Voilà. Faut savoir que j'avais le choix entre 5 ou 6 exclusivités de la One qui sortira le même jour. Le même jour. Voilà. Alors, attends, je vais vous montrer parce que je sais pas si vous voyez l'écran derrière. Non, je pense pas. Donc il y a le jeu de sport Rival là qui sort en même temps demain, il y a Forza 5 qui sort en même temps que Quantum Break qui sort pas maintenant, bah, après bon FIFA machin ça on compte pas, ah bon bref il y aura d'autres exclusivités, je les ai pas notées, je suis désolé, j'aurais dû les noter, il y a d'autres exclusivités, oui il y a le Zoo Je sais plus comment ça s'appelle, un jeu de zoo là qui va sortir en même temps. Voilà, j'ai les jeux là devant moi. Ok, lol, j'avais les trucs devant moi. Voilà, donc il y a demain Killer Instinct qui sort demain en même temps que la console. Vous avez Power Star Golf. Vous avez l'autocycle. Alors l'autocycle, c'est une moto assez intelligente. Je sais pas si on pourra le tester en démo, je sais pas. On verra. Ça, je pense que ça sera que en exclusivité sur le live. Hein. Ensuite, on a Zootico. Tico, donc ce jeu, c'est jeu de gestion. Vous gérez votre zoo, tout simplement. Ensuite, vous avez Kinesport Rivals pré-saison, apparemment pré-saison. Donc voilà. Et vous avez Griffon Dragon qui sort aussi en même temps que la One. Et évidemment, vous avez bah, Rise, Dead Rising et Forza 5 qui sort en même temps. Voilà les jeux qui sortent. Je sais pas si vous voyez les jeux qui sortent sur la One en exclusivité demain. Voilà. Donc il y a pas mal de jeux, hein, il y a pas mal de jeux qui sortent demain. Voilà.
Bon, moi j'ai pris évidemment Rise et Dead Rising 3 parce que c'est les plus connus et les plus attendus, je pense. En tout cas, moi je les attendais. Donc voilà pour ça. Et je vous laisse deviner je vous laisse deviner entre Killer, Power Star Golf, Locust Cyclist, Grison Dragon, Zoticon, Kinect Sport Rival ou Fanza 5, je vous laisse deviner quel jeu sur ces jeux-là, ceux que je viens de citer, quel sera le troisième jeu qui sera là. Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Écoutez, celui qui répondra à la question, s'il y en a beaucoup, je ferai un petit tirage au sort. Je ferai un petit tirage au sort. Voilà. S'il n'y a qu'une personne qui me répond. Eh ben écoutez, eh ben, dans ces cas-là, je lui passerai via son mail, hein, on fera ça comme ça, ou son Skype, comme il veut, via son mail, via son Skype, les codes, je suis généreux, les codes des 6 jours gratuits sur Xbox, sur le Xbox Live, évidemment, si vous avez la One, si vous comptez avoir la One, sinon c'est pas la peine. Je pense pas que ces codes marchent sur la 360. Je pense pas. Ça, je suis quasiment certain puisque non, je suis sûr. Je suis sûr que ça marchera pas. Je vais pas le tester parce que après je pourrais pas vous le donner, mais je pense pas. Donc si vous décidez d'avoir la One, ceux qui ont la One prochainement ou même à la sortie, si vous voulez avoir, vous n'avez pas la chance d'avoir le live gratuit et tout. Eh ben, je vais vous, bah, écoutez, répondez à la question que je viens de vous poser, et vous gagnerez 6 jours gratuits. Je vous enverrai les deux codes via votre mail ou via votre Skype ou en message privé sur Facebook, hein, c'est pareil, hein, YouTube, pardon, en message privé sur YouTube. Je vous enverrai. Les deux codes, donc 6 jours gratuits au Xbox Live, si bien sûr vous êtes Xbox One. Voilà. Si vous n'êtes pas Xbox One, bon, bah désolé pour vous, je pense que ça marchera pas, donc c'est pas la peine que je vous dis oui, allez-y, puis que ça marchera pas. Donc, à la rigueur, je lance ce petit concours et je vous dis, et voilà, et donc je repose la question. Avant de vous laisser, je crois que j'ai. Oui, une autre petite info à vous dire après. Mais avant, je vais quand même vous poser la question. Alors, parmi ces jeux-là, parmi les jeux que je vais citer, quel est, à votre avis, le jeu qui arrivera avec la console? Killer Instinct, Power Star Golf, Locazie Cycle, Dragon's Dragon, pardon, Zostigon, Kinect Sport Rival. Non, pas ceux qui vont arriver avec la console. Le jeu que je vais faire, les exclusives, une des exclusives, le troisième exclusivité que je vais faire, pas qui va arriver avec la console. Voilà. Ou Forza 5. Voilà. À vous de voir, à vous de choisir entre Killer Instinct, Power Star Golf, Locazie Cycle, Grison Dragon, Zoticon, Kinect Sport Rival ou Fanza 5. Quel sera le troisième jeu que je ferai sur la chaîne parmi les jeux que je viens de citer? Si vous êtes Xbox One et que vous voulez 6 mois d'abonnement gratuit au live, répondez à la question et je vous enverrai les codes. 6 mois gratuits au Xbox Live. De toute façon, moi, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà mon abonnement. Voilà. Donc, si vous, voilà, ils sont là. Hein. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Voilà, ouais, vous avez, hop, 3 jours d'essai. Hop, on va mettre ça comme ça. 3 jours d'essai. Et voilà, ça tombe. Bravo. Quand on veut faire les choses bien. On n'arrive pas, et voilà, les 3 jours d'essai. Voilà, les 3 jours d'essai sont là. En fait, c'est parce qu'il y a la télé qui gêne derrière. Alors toi, mon ami, tu vas aller là. Voilà.
Hop, dans 3 jours d'essai. Et 3 jours d'essai, ici. Voilà. Donc, celui qui répond à la question, je vous conseille pas de répondre à la question si vous n'êtes pas Xbox One, parce qu'à mon avis, je dis bien à mon avis et je le pense, ces codes ne marcheront pas sur la 360. Donc c'est même pas la peine d'essayer, même je suis quasiment certain que ça marchera pas. Donc, si vous n'êtes pas Xbox One, c'est pas la peine. Voilà, donc si vous avez la Xbox One et vous voulez ces 6 jours gratuits, eh ben répondez à la question que je vous ai posée tout à l'heure, là, il y a 2 secondes, et je vous enverrai les codes sous votre boîte mail, soit Skype, ou soit directement en privé sur YouTube. Voilà, si vous n'êtes pas nombreux, évidemment, si vous êtes nombreux à me demander, je ferai un petit tirage au sort. Pour savoir qui va gagner. Voili voilou. Dernière chose avant de vous quitter, la section live qui va se dérouler tous les samedis maintenant. Je vous donne. Bon, ça on va enlever, c'est bon. Hein. Je pense que vous avez compris le concours. Je vous donne rendez-vous donc tous les samedis en live. Alors ça sera pas forcément du Dead Rising 3 ou de Rise hein, ni de du nouveau jeu. Pour commencer je ferai tout ce qui est annexe au niveau d'Assassin's Creed 4. Donc si vous n'avez pas encore fait tous les contrats d'assassin, tous les contrats navals, tous les contrats templiers, vous n'avez pas vu ça. On le fera ensemble. Voilà. On le fera ensemble. Ensuite, il y aura aussi lors des lives du Batman Arkane Origins. Avec tous les énigmes de notre ami Enigma. On essaiera d'élucider tout ça. Anarchie aussi. On ira faire l'émission Anarchie. Il y a des missions Shiva, je crois que c'est Shiva, ouais. Shiva qui va nous donner des missions. Je spoil un peu, hein. Désolé. Je spoil un peu. Il y a Shiva qui nous donne des missions. Donc on fera ça aussi. Et puis après, je crois qu'il y a d'autres missions par-ci par-là. Donc on verra, on fera des annexes. Voilà. Donc voilà pour ça. Ça, c'est pour premièrement au niveau du live, ça sera comme ça tous les samedis. Si tout va bien. Si ça se passe mal et que Dead Rising et Rise, je ne peux pas les tourner. Je peux pas les tourner sur la chaîne. On se donnera rendez-vous tous les soirs à partir de 19h ou 20h pour 1 heure de Dead Rising et 1 heure de Rise pour avancer dans l'histoire. Comme ça, ça vous permettra de faire de voir un let's play en direct. Voilà, on fera un let's play en direct. Voilà. Ça marche? On fera comme ça? Si je peux pas filmer, évidemment, à cause de droits d'auteur. Oh, attention, YouTube, voilà. Facebook, YouTube, attention. Voilà. Parce que Assassin's Creed 4 était prévu au programme, même je l'avais une semaine à l'avance. Je vais pas vous cacher, je l'ai reçu une semaine à l'avance. D'ailleurs, je remercie Ubisoft de m'avoir envoyé une semaine à l'avance. Je voulais vous le faire en live. Et notre ami YouTube nous m'a carrément bloqué mes images. Même quand j'ai parlé au gars d'Ubisoft, il a vraiment rigolé. Il s'est dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit, oui, monsieur, c'est YouTube. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions à poser sur le déroulement de la chaîne ou quoi, envoyez-moi un message soit privé YouTube, soit commentaire. Si je vous réponds pas en commentaire, parce que maintenant ça va via ça va directement sur Google+, et je sais pas comment on arrive à voir les commentaires. Donc voilà. Donc à la rigueur, je préfère que vous m'envoyez si vous avez des questions
directement sur la map, le truc privé directement de YouTube. Si vous voulez que je réponde dans les heures qui suivent, envoyez la question sur Facebook, sur le Facebook de la chaîne. Je vous répondrai dans les heures qui suivent, puisque j'ai tout de suite, dès que vous me posterez une question ou un commentaire sur le Facebook, j'ai tout de suite votre message qui m'est envoyé par le portable. Voilà. Alors que YouTube, c'est pas le cas, et puis des fois je regarde pas trop. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà. Eh bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu comment les jeux machin. Je vous invite demain à une grosse vidéo unboxing parce que si tout va bien demain, si c'est pas demain, c'est samedi, si c'est pas samedi, c'est lundi. Je vous le dis tout de suite. Tant que j'ai pas la machine, voilà, j'espère demain. Si c'est le cas, ben je vous ferai une grosse vidéo dessus. S'il n'y a pas de problème, évidemment. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, ça y est. Et on fera un gros set de mousing. Je vous présenterai la vidéo et puis je vous présenterai l'interface de la vidéo et on essaiera quelques petits trucs qui ont été dit, c'est-à-dire comment ça marche avec la télé. Oui, bah oui, mais ça fait partie de la console, hein, désolé. Comment ça marche avec la télé, comment ça marche avec les jeux, etc., etc. On verra tout ça demain, unboxing, puis demain soir, découverte des jeux. Xbox, voilà, découverte des jeux demain, découverte des jeux demain soir 20h ou 21h. Voilà, je pense que cette vidéo est complète. Je ne sais pas combien elle a duré. Je pense qu'elle a duré longtemps, 30 à 40 minutes. J'en suis désolé. S'il y a eu des petites coupures, des petites coupures par rapport à la webcam, c'est la webcam qui déconne. Je suis désolé, je peux pas faire autrement pour le moment. Vous inquiétez pas, dans le futur, ça s'arrangera. Voilà. Sur ce, bah écoutez, bonne soirée à tous, parce que oui, il est 5h et je vais poster la vidéo. Le temps que je fasse un montage, machin. Je posterai la vidéo vers 20h, 21h, donc voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo découverte de ces trois, deux jeux, pardon, de ces deux jeux vous aura plu et vous savez maintenant qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine sur la chaîne. Voilà. Allez, salut à tous et puis bah portez-vous bien.